Ah, c'était la belle vie avant qu'on soit tous confinés, quand on pouvait sortir dans les bars où je baladais ou aller au ciné. Après, c'était plus dur quand on t'a dit que c'était fini. Tu pouvais plus sortir de chez toi et tirer fric pendant des mois. Maintenant que ça fait des jours, ton quotidien a changé de vie. Mais des fois, quand vient le soir, bah tu t'ennuies. Rester confiné. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans nos apparts, y'a rien à faire. Rester confiné. Ah, c'est peut-être se faire à manger, mais pour les courses, faudrait bouger. Maintenant, tu te dis que tu pourrais peut-être faire du ménage. J'ai tous ces trucs que tu ne fais jamais. Faudrait du faire, y'a le mot à voir les années. Mais les produits ménagers, en vrai, il faudrait en acheter. Vu que tu minais ces sorties, tu dis que tu ferais mieux de repousser. Et puis, y'a tous ces projets que tu n'as jamais pris. Lancer comme fin de lecture, faire de la couture, coller ton évier. Plus tu penses à tous ces trucs, plus tu te rends compte que t'as rien chez toi et que les magasins sont fermés, donc ça le fera pas. Rester confiné. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans nos apparts, y'a rien à faire. Rester confiné. Ah, et si on se mettait au sport, ça permettrait de bouger le corps. Oh là là, une ambulance qui vient passer. Les hôpitaux sont bien traqués, faut rester chez toi confiné. Mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire si le virus nous laisse se propager? Rester bien confiné, c'est simple pour commencer. Et même si c'est mieux pour toi, tu y arriveras, je crois en toi. Surmonter la solitude et l'enfermement, ça ira. Un jour t'appelles un pote et un jour t'en appelles une autre. À la Pérovision, un soir et l'autre, tu gardes un concert live. C'est quand même tout ce qu'on peut faire de nos jours avec internet. Pas sans ce que ça aurait pu être. Rester confiné. Combien de temps ça va durer? On n'en a aucune idée. Rester confiné. Mais à 20h quand t'applaudis, tu penses à ceux qui risquent leur vie. Ces médecins, ces infirmières, ces soignants, ces pharmaciennes, à leur santé. Tu penses aussi à ces caissières dans les supermarchés. Et au rétard, sans arrêt. Et puis aussi aux éboueurs, puis aux femmes de ménage, à tous les standards saturés, téléphones qu'il faut décrocher. Et puis les cheminots et les chauffeurs de métro, les transporteurs de marchandises, et puis aux livreurs à vélo. Rester confiné. En fait, c'est pas si compliqué. Pense à tous ces gens pas protégés. Rester confiné. Mais continuer de travailler, l'économie doit prospérer. Quand tu risques pas ta santé, on a ils sont en train de crever. Pour la sécurité, ils n'ont pas le droit de s'arrêter. Rester confiné. Mais quand ce sera terminé, on pourra te